Bonjour. Salut. À toutes et à tous. Bienvenue. Nous venons, vous le constatez, d'arriver sur la Lune. Et quelle n'est pas notre surprise sur la Lune? Regarde en face de nous toute l'équipe de Disney Parade. Ils sont drôlement forts à la télé. Fort, rapide. Oh là 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 là. Sur la Lune avec un vaisseau lunaire soviétique qui est là derrière nous. Est-ce que tu veux quelques petits renseignements sur ce vaisseau lunaire? Volontiers, Jean-Pierre. D'accord. Est-ce que tu veux savoir son poids, sa dimension, tout ça? Je ne les connais pas. Non. En revanche, je peux te dire que les Soviétiques en avaient fabriqué deux de vaisseaux lunaires à la fin des années 60, bien entendu, pour venir ici sur la Lune. Mais comme c'est les Américains qui ont gagné la partie, tu t'en souviens, ce qu'il semblait, oui. En 1969, eh bien, les Soviétiques de l'époque avaient décidé d'arrêter ce célèbre programme lunaire. Dommage, parce que c'est une jolie bébête quand même. C'est une jolie bébête et qui aurait peut-être pu faire effet tout là-haut. Enfin, tout là-haut, ici, puisque nous y sommes. Pas trop fatigué par le voyage? Un petit peu quand même. Si on se reposait en écoutant un peu de musique. Oui, puis en regardant un dessin animé. Voilà, les deux en même temps. Les deux en même temps. Dans un dessin animé donc qui regroupe jazz et symphonie. Voici donc le premier rendez-vous. Oh, ça me fatigue ce décalage horaire, hein, pas toi? Un petit peu. Taylor, Paul et Lundi. Alors qui, Jean-Pierre, à ton avis, qui va être choisi pour chanter à la remise des prix de fin d'année? Mais pour ne rien te cacher, je ne sais pas. Alors, j'avais cru la semaine dernière comprendre un petit quelque chose, mais là, ce sera la suite.